Salut à tous. Non, mais je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot On est là. On est là. Euh, bonjour. Bonjour à tous. Euh, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Ici, le craquette de Montpellier. Là, j'essaye de. Bah là, si vous voulez, je, je fais la quête. Hein. J'essaye de récupérer un petit peu. Euh, tous les mégots qui sont au sol <laughs> pour récupérer du tabac. Euh... <laughs> je savais pas quoi faire. Combien trop j'ai dit. Bon bah. Parce que là, le problème, c'est qu'en fait, vous m'avez baisé avec vos couleurs de merde. Euh, puisque je... 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 c'est chiant. Je peux plus utiliser de fond vert quasiment en fait. Hein Ça, il faut le savoir. <laughs> Ça, il faut le savoir, mesdames et, mesdames et messieurs. Mais qu'on me dise pas encore une fois. Que j'ai rien fait pour les droits de l'homme. <laughs> ok Comme disent pas encore une fois euh, que j'ai pas respecté mes donations goals. Euh, ils sont là. Donc, donc voilà, bonjour à tous mesdames et messieurs. On a essayé le blanc. Le blanc n'est pas passé. Euh, voilà, le blanc ne fonctionne pas. Je, vous avez pu voir sur, sur Twitter ce qu'il sait. Euh, <laughs> Ce qui s'est passé, je pourrais quand même donner mes cheveux à l'assaut. En effet, euh, globule et melon euh, assuré en amont. Euh, donc voilà, ça... ouais, c'est un, euh, un petit style. Le bleu il claque. Oh, merci gros, on est là. Hein. Il y a un bleu, il y a un vert. Il y a, euh, si on remonte ici en termes de, de calve, le bleu est, plus, est beaucoup plus bleu ici. Tiens, regarde, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, assez ouf. Euh, il était hors de question que je laisse le, le blond absolument. Abominable, euh, mon cher frérot, parce que, euh, parce que, Alors, mais parce que voilà, on va faire un débrief. Hein, on va faire un débrief directement. Je vais vous montrer ça. On va mettre Twitter ici et puis on va en, pa en parler quelques, quelques instants, euh, mesdames et messieurs. Donc, donc voilà, je n'ai pas. Cela dit, je n'ai pas retesté euh, la coupe, euh, la coupe samouraï. Euh, parce que euh, je, sais pas, je, sais pas, je sais pas je sais pas retester faudrait que je teste voir ce que ça donne mais je crois pas qu'au Japon euh, durant cette airline il y avait des samouraïs euh, qui étaient également euh, multicolores qui étaient également des SJW donc je suis officiellement devenu euh, du coup euh, féministe il me manque juste un anneau dans le nez et puis euh, que je sois hystérique dans la rue et puis, puis j'ai fait le tour hein, je crois Une petite, un petit arc-en-ciel dans ma bio on en parle plus euh, voilà. Bon, bref. Bonjour à tous. En tout cas, ou plutôt bonsoir. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci beaucoup. Alors, y a aucune notification. Je vous ai mis la cam ici parce que, euh, parce que sinon fond vert et vous verrez que le fond vert après va faire euh, très bizarre. Euh, la barbe devrait être rose. Alors j'aimerais euh, Lilai si tu le souhaites, ou euh, même si tu le souhaites pas. En fait, j'aimerais garder un minimum euh, d'honneur. <laughs> Un minimum, un minimum de dignité dans ma vie, euh, si tu veux, et du coup j'ai décidé. Euh, en fait, c'était que ça faisait pas partie de tout ça, donc on va peut-être rester, euh, mon cher ami, euh, sur, euh, sur ma barbe euh, classique, ok. Donc voilà. Après, bon, c'est vrai que ma dignité s'est envolée depuis, depuis très longtemps. Alors, ça donne quoi sur fond vert on va, on va voir juste après. Euh, vous allez voir que sur fond vert, c'est catastrophique. Le problème, c'est que ça c'est dégueulasse. Sur fond vert, il y a la moitié qui se barre et tout ça. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, en fait, je vais vous dire je n'ai jamais fait de couleur de toute ma vie. Voilà, même pour un délire ou quoi, qu j'ai jamais fait de couleur de toute ma vie de cheveux. Voilà, jamais fait, j'ai ressentais pas. En plus, ce qui est très drôle, c'est que ma calve est, est colorée. Ah, oh, ça se voit. Oh, ah, bah j'ai pris ma douche. Euh, c'est parti un peu. Mais, euh, mais là, du coup, j'ai un crâne qui est mi bleu, mi vert. Enfin, ça ressemble. À... <laughs> ça ressemble à rien, gros. Il y a plus aucune, il euh... y a plus aucun aucun sens. Euh, du coup, j'ai jamais fait de couleur de même, Et du coup, là, on a fait ça ce week-end avec ma femme. Et euh, bah du coup, on va, on, va regarder, euh, on va regarder quelques instants, on va regarder l'évolution euh, si vous le souhaitez. Euh, voilà. Donc, euh, je vous passe in-game. Voilà quelques instants euh, si vous le si vous souhaitez bien. Donc, là, en gros, j'avais mis ça euh, le samedi. J'avais juste mis ça. Donc, euh, là, c'est parti. Ma femme qui me faisait donc une. Euh, décoloration, ok. Alors moi, j'y connais rien là-dedans. Elle m'a dit, en fait, pour qu'on fasse ta couleur, faut décolorer euh, les cheveux, mais ça peut. Alors, j'ai plein de gens qui sont en mode oh, non, mais Gigi, tu vas, tu vas tuer tes cheveux. Bon, comment dire Est-ce qu'on les prévient Est-ce qu'on les prévient ou pas Que le set, je suis chauve, mais, euh, mais ok. Soit. Soit mesdames et messieurs. Euh, du coup là je fais, euh, je fais la, la décoloration et, euh, et ma femme me dit bon bah, on va décolorer, ensuite on va faire la couleur verte d'un côté et tu veux blanc de l'autre. Euh, et je vois qu'elle n'a pas de couleur blanche. En fait elle me dit mais on peut pas faire de blanc en fait. C'est quand tu décolores on va faire plusieurs décolorations, on va en faire deux et on va voir euh, comment ça va fonctionner tu vois. Oh là, là mais merci, merci euh, Mana qui me fait profiter d'un max de avec euh, ces viewers merci beaucoup bonjour euh, à tous les viewers de mana qui si je ne m'abuse étaient en, en mana oh, le mana le, le marathon monsieur euh, donc euh, donc voilà Alors, merci mon cher mana je, je t'embrasse fortement que dieu te garde <laughs> et, euh, et du coup euh, nous voilà partie là-dessus et là là ma femme me décolore les cheveux on monte pour nettoyer tout ça et, euh, et drame <laughs> <laughs> Drame, je me, je me, découvre. Alors là, la photo que vous allez voir, si vous ne suivez pas sur Twitter, euh, s'il vous plaît, euh, euh, voilà, reculez, <laughs> reculez les personnes sensibles, euh, ça, peut faire, ça peut faire, très mal. <laughs> Ma femme euh, décide de me sécher les cheveux, ses cheveux ce que je ne fais absolument jamais, ce qui me fait prendre un volume extraordinaire et produit de la paille. Donc là, c'est de. La... Là, c'est de la pure décolo. <laughs> Là, c'est de la, euh, c'est de la pure décoloration. Euh, bah, c'est de la bonne golden, hein, comme on appelle ça dans le milieu. Euh... <laughs> Donc là je sortais littéralement bah, d'un groupe, hein. euh, là j'étais américain, euh, voilà, bah, j'étais à deux doigts de signer pour, pour Blink ou encore euh, Sum41, si vous me permettre j'étais dans, dans, <laughs> dans ma meilleure période, on peut le dire sur mon regard que je suis extrêmement heureux de me, de me découvrir à ce moment-là euh, d'une telle couleur, ah bah là j'aurais pu sortir avec Avril Lavigne hein, euh, je pense que <laughs> Nickelback, ah ouais, donc, euh, donc on est là, là au moment, je suis comme ça, je suis là, non c'est pas ce que je crois, c'est quand même extrêmement terrible, et je dis à ma femme, je dis, c'est quoi ces conneries Elle me dit, bah là, en fait, si tu veux, t'as les cheveux très très noirs, euh, du coup, on vient de décolorer, tu vois, les cheveux. Donc là, pour moi, c'est un drame, alors ce qui fait plaisir, c'est que j'ai soutenu par, par beaucoup de gens, à commencer par ma fille, euh, ma fille qui, a, qui me voit, parce que du coup, là, après ça, ma femme me rassoit pour refaire une décoloration, et ensuite mettre le vert, et euh, ma fille, elle me regarde, elle me dit, euh, euh, papa, euh, tu es belle. <laughs> Donc... Euh, je pense que je pense que la, la voilà. Je pense que là, à partir de là, tout est dit. <laughs> elle me dit, t'es belle papa. Donc là, je t'en <laughs> Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je me dis, elle est innocente, ma fille. D'ailleurs, oh oh, big up, big up. J'ai mis ça, ma fille, t'es belle papa, parce qu'elle m'a dit ça. Euh, ok. Et il y a, était euh... dans les retweets. Euh, bon, j'ai deux trois personnes, enfin euh, deux personnes. Euh, parce que vous savez, moi je check un peu le, le retweet et commentaires ça me fait rire. Les gens sont hyper bienveillants, euh, euh, très sympa. <laughs> non, mais en vrai, c'est drôle, tu vois. Et il euh, y a des cons. Et dans les Nous deux 3 le retweets, euh, citations, il bon, y a des mecs qui m'ont régalé. Ah, voilà, de la communauté interdite euh, de l'anneau. Merci, euh, merci beaucoup, euh, My mouse pour le troisième mois. Merci énormément. Euh, mon, euh, mon frérot, ça fait, ça fait plaisir. Merci aux gens qui sub et re-sub bien entendu, comme euh, d'habitude. Et du coup, euh, du coup, ma, ma femme me dit ça et j'ai vu dans les <laughs> dans les de citations euh, des gens qui étaient en mode euh, reverse, euh, reverse card for euh, transphobe. Euh, J'étais en mode. Et en fait, j'ai enfin compris pourquoi euh, ça. C'est une petite aparté, une petite virgule. J'ai enfin compris. J'avais pas compris. J'avais j'ai enfin compris pourquoi euh, la communauté interdite euh, dit que lui transphobe. C'est parce que aux Event de l'an dernier, c'était l'an dernier, je crois, il y avait euh, un mec, je sais pas si son blaze, parce que c'est un, un énorme clébard, mais voilà, et du coup qui, qui avait marqué son tweet de merde en mode euh, voilà le, la diversité dans le stream, enfin bref, bon, façon, pas les couilles. Et du coup, moi, j'avais RT cité son tweet en disant oui, oui, c'est vrai que cette année, malheureusement, il n'y a pas de trans, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de, de gens qui se s'identifient à un jet ski. J'avais marqué un truc comme ça, etc. Et du coup, c'était c'était horrible. Et du coup, je suis donc transphobe. Euh, voilà, j'ai enfin compris pourquoi. Et en fait, c'est par ce tweet et du coup j'étais assez, euh, assez surpris, <laughs> parce que moi je pensais que j'avais vraiment dit une dinguerie, mais en fait non, c'est ce tweet, et du coup je suis en mode, ah, donc c'est officiel, <laughs> c'est officiel, du coup. bon voilà, c'était la petite virgule, ça fait, ça fait plaisir, euh, voilà. en plus quand je faisais la, la, la blague inédite et super drôle de JetSki, c'était par rapport euh, <laughs> à la, au truc des noms binaires, donc je ne voilà, je sais pas si ça a un rapport, mais euh, salut mon pote, on vous embrasse. Et euh, voilà, on s'en fout. Donc, voilà dans les RT, ça va fait rire les gens qui ouais, il fait, il, il y a quelqu'un qui m'a dit oh, oh là là, le, le comble pour un transphobe, se faire mégenrer par sa fille. Bon, voilà, petit spoiler rapidement hein, ma fille, elle a 3 ans. Euh, C'est pas ce que tu baragouines, fils de pute. <laughs> connais pas ton mot. Euh, déjà, elle essaye de comprendre la différence entre <laughs> le sexe féminin, un zizi et une nénette. <laughs> Donc voilà, si tu pouvais me foutre la paix, euh, <laughs> le bouffon, elle en a rien à foutre de mes gens rage, euh, voilà, parce que ça, ce mot n'existe pas. Euh, bref, du coup, je vois que j'ai du gros soutien des, des soucis, un hein, frère, hein, voilà. Donc lui, euh, ouais, il est banni, hein, je ne veux plus le voir. Voilà, pour Cosplay Japex de Bilal Hassani. Voilà, J'étais en big ouf de la part de Panta, qui m'a fait euh, très très mal. Mon ami Sophie, euh, qui dit que c'est un massacre, mais je peux comprendre Je peux comprendre, c'est-à-dire que même, même un frère, <laughs> ce qu'on peut peut-être retrouver... <laughs> Ce qui m'a fait plaisir, c'est Kamel. Kamel, je ne sais pas si je retrouverai là. Il y a eu des montages incroyables qui ont fait des montages avec des Nimbus 2000. Euh, bon, c'était absolument fabuleux. Merci Tom pour ton prime. Euh, franchement, franchement extraordinaire. Euh, J'ai passé un super, un super moment. <laughs> des gens qui ont fait des montages avec Harry Potter sur un c'est ma tête en bas. Merci pour ces moments. Euh, c'était assez, assez extraordinaire. Euh, J'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri et, euh, et voilà. Et, et moi, je me trouve horrible. Enfin, je me trouve abominable. C'est une catastrophe. Bon, voilà. Déjà que je ne suis pas Brad Pitt. Bon, là, c'est Brad Pitt. Il hein. n'y a, a, a rien qui va. Euh, ok. Donc là, je me dis très bien. Je suis dégoûté. Là, on commence la couleur. Et là, on a fait <laughs> une deuxième euh, décoloration. C'est-à-dire que là, c'est censé être blanc. Tu vois Ma femme, elle me dit Ouais, on va tout donner pour que ce soit blanc. Bon, euh, spoiler. Euh... <laughs> ça pas fonctionné. <laughs> c'est ça pas fonctionné. Par contre le verre, eh, il est là hein Le verre est parti. Bah, en plus ma femme elle me dit ouais là le verre il est spécial, c'est un peu le vert de elle me fait tu vois j'arrête les taux dans ce magnifique film qui est Suicide Squad. Elle me dit bah c'est pas ça. <laughs> elle me dit bon au début ça en fait quand elle me pose la couleur, elle me dit voilà, c'est comme ça, mais au final euh, c'est un, euh, un vert un verre un peu éloigné. Voilà, on n'est pas, pas, euh, pas sur le, pas sur le, le meilleur, euh, meilleur verre qui a existé, on va pas se, se mentir, mesdames et messieurs, donc euh, voilà, et, et là, euh, ma femme me dit, voilà, on ne peut pas faire mieux, on va pas refaire une autre décoloration, ça va enculer tes cheveux euh, de ouf, enfin, en fait, déjà, la deuxième décoloration, ce n'était pas enculer mes cheveux, c'est juste être en mode, bah, ton crâne ne va pas survivre, en fait, Parce que je dis, là... Je vais pas te mentir, euh, ça me brûle. <laughs> voilà, je lui dis, tu sais, je l'avais, euh, je l'avais en direct parce que c'est ma femme qui me fait la couleur grosse c'est pas moi. Je sais pas comment on fait. Et je dis à ma femme, je dis, euh, excuse-moi, je veux pas avoir l'impression de te déranger dans ton travail, mais c'est, est-ce euh, que c'est normal cette flamme <laughs> Parce que là, ça brûle. Elle me dit, oui, c'est normal. Je dis, ah bon, ben bah, si c'est normal, alors <laughs> tout va bien, <laughs> tout va bien. J'en suis euh, très heureux. Alors quoi, ça me brûlait doux, enfin, brûlait doux. Ça va, moi j'avoue que je supporte assez bien la, la douleur. Euh, donc je me suis mis à pleurer. Et, et je, je, je suis dit, ouais, elle me dit, non, mais vraiment, c'est normal que ça, ça te brûle un petit peu euh, quand même. Donc euh, non, non, vraiment, c'est ça allait. Honnêtement, ça allait euh, <laughs> tout fonctionner comme il fallait, euh, mesdames et messieurs. Et on arrive à ce moment-là où, elle, 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 vous vous rappelez, ma femme, pendant le, le, le The Event, euh, elle est venue. Et One euh, <laughs> un, un frère, hein, c'est ignoble, bannez moi ça les modos, <laughs> vrai vrai frère, OneNote. Hein, et euh, pendant The event, elle était elle venu, elle avait sa, elle avait fait une petite couleur de bleu là comme ça, et qui disparaissait euh, au fond vert. Et euh, moi, euh, je lui disais bah franchement, euh, t'es trop stylé avec ce bleu. C'est ma femme, donc euh, je l'aime. <laughs> et là, elle me dit quoi Elle me dit ouais, euh, ton autre moitié, on a qu'à faire bleu si tu veux. Et moi, je voulais pas, mais elle m'a pas laissé le choix. Elle m'a dit euh, si, on va quand même finir la bouteille. Donc, euh, on a fini la bouteille, et parce que je lui ai dit, c'est hors de question que je garde cette couleur là, je préfère encore me raser en côté. <laughs> et donc, c'est ce qu'on a fait, euh, pas se raser, mais on a fait la, la couleur bleue pour au final donner ce résultat. Euh, ici, ça c'est juste après euh, mettre un les cheveux, euh, ça c'est après ma douche, d'accord, euh, mais sans le sèche-cheveux qui fait gonfler le volume à, à l'infini, et ce qui donne euh, donc au final ce, ce fond vert, enfin euh, ce fond vert, ce, ce résultat là, voilà. Donc, est-ce que je suis... Euh... Attendez, faites un screen. Faites un screen un peu. Regardez, voilà, faites un petit screen. OK. Maintenant, vous pouvez légender, euh, ce mec touche le cul de ta meuf dans la rue, qu'est-ce que tu fais hein J'aimerais avoir la réponse tout de suite. <coughs> je m'étouffe. Je ne sais pas, mais, euh, mais en tout cas, vous avez très peur, je pense. <laughs> voilà, c'est assez euh, c'est assez incroyable, euh, mesdames et messieurs. <laughs> je l'aide, je l'aide. Voilà, non, en vrai, maintenant. Vu qu'il y a OneOn dans le chat, avant qu'on parte, parce qu'il est 20h42, moi j'ai donné rendez-vous à 20h45, je veux donner la suite de programme, du programme ce soir. C'est très simple, on va faire du euh, Among Us avec la team. Ce soir, on a en, encore une fois un casting euh, 5 étoiles euh, que je vais, vais m'empresser de vous donner. Genre là, tout de suite, le casting est juste incroyable, euh, mesdames et messieurs. Hop, tac, 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 tac. Il est où Il est où Il est où Il est là Lowan, Ponce, PA, DFG, Xari, Ultia, moi-même, euh, Little Big Wave, donc euh, Trivia, MV et Chap. Euh, ce soir, on est 10. On va s'éclater encore une fois, on va bien rigoler. Et ça risque d'être assez. Euh, incroyable sur us. mais voilà je demanderai à Wanon s'il veut pas faire un petit sondage euh, un sondage euh, entre 1 et 5 euh, non, il n'y a pas Antoine ce soir. Il nous a fait une petite vanne d'ailleurs, Antoine. Je peux vous la lire sa petite vanne. Il a marqué trop occupé à vivre. Désolé les gamers, peut-être un mot que vous connaissez pas beaucoup. Plein de petits points avec un smiley qui fait un clin d'œil. Toujours derrière vos écrans. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Vous devriez essayer. Clin d'œil. Clin d'œil. Clin d'œil. Petit point. Petit point. Petit point. Ça nous vous ferait. Petit point. Petit point. Petit point. Petit point. Pas de mal. <laughs> quel énorme con. Je l'adore, on l'embrasse. Il était de sortie ce soir le Antoine. Euh, quel frère. Et euh, il est adorable. Et, euh, et bref, qu'est-ce que je voulais dire Ouais. Est-ce que le, la modération, tu peux, tu peux me faire un petit, un petit sondage Oh, merci, putain, sans tatarrière qui a offert 5 abonnements. Le GG, le GG, bravo, merci beaucoup. Merci pour les subs, les resubs. Ça régale, mon cher ami, merci beaucoup. Il y a pas eu l'inductif parce que je suis pas sur la bonne scène, mais le cœur y est en tout cas. Merci beaucoup, le frère, c'est très gentil. Ouais, je voulais juste, tu peux me faire un petit sondage avec chacun mais une note de 1 à 5 de ça. D'accord Entre 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que tu peux mettre 6 résultats, j'espère en tout cas. Un, un petit sondage rapide, ok Un petit sondage rapide pour savoir un peu ce que vous pensez. Pendant qu'il y a ce sondage, je vous raconte la petite anecdote du jour, ok euh, Mesdames et messieurs, tranquillement. Alors, j'étais avec... <coughs> Avec ma fille aujourd'hui, il euh, y avait ma belle-mère qui était à la maison, euh, voilà, avec euh, ma femme. Et en mode on va tout ranger le placard sous l'escalier. Alors du coup, coup j'ouvre, je dis à Harry Potter donc de partir. Euh, et du coup, elle, elle range. Et ma femme elle me dit est-ce que tu peux euh, occuper la petite Je dis bah c'est quoi Bien sûr, euh, je, je vais l'occuper. Euh, du coup, je la mets dans le congé Après, je me dis ah. Mm, Peut-être euh, pas ouf comme solution. Donc je dis à ma fille, est-ce que tu veux qu'on aille euh, s'occuper euh, On prend euh, tous les deux la voiture et on va s'amuser dans la joie et la bonne humeur, on va faire les magasins euh, et on va dans les magasins. Donc on, on part euh, dans les magasins avec ma fille et, et je me souviens qu'à Leclerc ils ont changé un petit peu euh, Leclerc tu vois de, de chez nous ils ont, ils ont changé un petit peu euh, tout, tout ça euh, et, euh, et alors note ta colo wow. ils ont fait un nouveau espace multimédia Alors ah on peut en faire que 5 d'accord entre 1 et 5 5 oh, sur 5 merci je vois que ça, ça me ça me ce le chibre ce soir merci beaucoup et, euh, et du coup je, je, je vais à Leclerc et en même temps je me dis que je vais essayer d'acheter euh, comment ça s'appelle euh, Mario Kart euh, Home Tour Life euh, Kiss Flex Circuit le truc pour jouer là et voilà et du coup je suis parti euh, à Leclerc euh, au Leclerc, euh, euh, voilà. J'arrive, je me gare euh, tranquillement, je sors avec ma fille, je lui donne la main et je rentre euh, dans le magasin, d'accord Et quand j'arrive dans le magasin, tu sais, moi j'ai. <laughs> en fait, je vous dis, j'ai jamais fait de couleur de ma vie. <laughs> Donc c'est-à-dire que là, je marche et tu sais, il y a des gens, ils me regardent un peu bizarre. Et je me dis, mais qu'est-ce que. C'est des gens qui m'ont reconnu. Et puis là, je vois la, la meuf, elle a l'air de s'appeler Chantal, euh, 73 ans. Je me dis, ouais, c'est bizarre, elle doit, pas... elle doit pas regarder mes vidéos. Euh, mais peut-être qu'elle est subjuguée de l'amour que porte un, un, un père euh, à sa fille. Et du coup, plus j'avance, et plus je vois qu'il y a des gens quand même qui me regardent, et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont en fait Ils sont tous euh, super fans de moi. Et après, bah, en fait, je, je passe euh, devant une vitre, et euh, je me souviens du coup que j'ai cette couleur, et c'est là que je réalise. C'est là que je réalise qu'en fait, pendant deux semaines, euh, pour les gens, je suis un détraqué euh, dans la rue. <laughs> D'accord Et du coup, du c'est là que je me dis, ah ah oui, c'est vrai, c'est vrai que du coup j'ai fait cette couleur <laughs> et que j'avais euh, complètement oublié que donc là en fait j'étais en, j'ai su un, un cosplay de, de Joy-Con euh, in real life IRL comme disent euh, les GIC, euh, tout simplement. Donc j'arrive <laughs> au Leclerc euh, et je commence à, je suis dans le rayon de, de tout en fait. Je regarde un peu machin, je trouve les boîtes pour acheter euh, Mario Kart et, je, et en fait je me rends compte qu'elles sont vides, euh, sûrement pour protéger. Et je dis à ma fille, bah tu sais quoi, vu qu'ils ont tout changé espace multimédia, viens on va voir euh, les livres. Et on regarde les livres et je vois des enfants qui me regardent bizarre et je vois des parents qui me regardent sais, euh, genre je vois une dame elle est avec sûrement sa petite fille et elle lève la tête parce que moi je suis avec la petite en mode oh t'as vu euh, parce que ma petite elle adore les livres elle a, moi je lui lis beaucoup d'histoires et elle voit un livre pas de patrouille avec huit histoires inédites que bien sûr je lui ai acheté parce que je suis euh, un pigeon et euh, et ma fille du coup elle me regarde et tu sais elle me dit papa on peut prendre ça je dis oui et là je vois une dame je laisse passer et puis au moment où elle lève les yeux elle me regarde et je sens un peu de jugement. <laughs> je sens un peu de... Elle prend sa, sa petite fille sûrement euh, par la main et lui dit, on va dans un autre rayon. Et du coup, je dis à ma fille, bah non, on va partir. <laughs> et, et donc euh, voilà. Euh, c'est juste la petite anecdote rapidement. Euh, j'ai senti un peu de... Bizarre le mec. Qu'est-ce qu'il fait avec cet enfant Est-ce que c'est bien son enfant <laughs> Donc, donc j'étais en... Mode, bah, on, va, on va partir. Et, et j'ai senti un regard que je sens habituellement quand les gens me reconnaissent euh, donc, euh, donc voilà euh, tout simplement ça m'a fait un petit peu mal euh, mais c'était rigolo c'était rigolo donc euh, donc voilà mais c'était euh, la surprise c'est rien de méchant c'est juste que femme elle m'a regardé en mode de... <laughs> qu'est-ce qu'il fait dans ce rayon ce mec là il n'est pas un peu euh, pas un peu fou et donc, euh, donc, voilà, je suis euh, tout simplement, euh, <laughs> tout simplement euh, parti. Voilà, c'est tout pour moi. Euh, merci Mulhouse, merci d'avoir suivi euh, cette petite anecdote ici, euh, ce reveal. On va partir sur Among Us, grosse soirée avec tous les copains. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes les POV partout. Je vous ai donné la, la liste. Et je pense qu'on va passer à un moment, encore une fois, euh, totalement euh, mémorable. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, euh, qu'est-ce qu'a pensé ta fille euh, de, de tout ça Il euh, faut savoir que ma fille... Elle est, euh, elle est euh, comment dire, euh, ma fille, si vous voulez, elle, elle est euh, très ouverte. Euh, C'est-à-dire qu'elle a adoré euh, tout de suite, euh, parce qu'elle a donc elle a fondu en larmes et ne euh, voulait plus m'approcher. Euh... <laughs> non, en vrai, elle était trop contente. Elle me fait, pourquoi, euh, euh, et pourquoi, euh, papa, euh, pourquoi, papa, tu as du, euh, le, du vert et du bleu <laughs> et Je lui ai dit, bah... Je lui dis, bah, est-ce que toi tu lèves 5 ,7 millions en un week-end euh, Non, donc tu me mentionnes pas. <laughs> donc voilà, c'est tout. Non, en vrai, ça s'en bat les couilles. Euh, ma fille, elle est en mode c'est trop rigolo, elle est trop contente, euh, elle, a, elle, a, elle a kiffé. Euh, ça, en fait, il n'y a pas plus innocent euh, que des enfants. D'accord Il n'y a pas plus innocent que des enfants. Et du coup, moi, ma fille, elle, elle, est, elle est en full kiff. Euh, Je ne vais pas à vous mentir, elle est en mode Ah, oh, c'est trop marrant. Et de temps en temps, elle, elle capte un peu, tu vois. Elle me regarde et <laughs> elle vient, elle prend les cheveux, elle me fait. « Papa, pourquoi ?» Et elle me dit vraiment « Pourquoi ?» Tu il n'y a pas d'interrogation. mon me regarde, elle fait... Même elle, elle se sent un peu trahie quelque part. Elle me regarde, elle fait « Papa, euh, pourquoi c'est bleu ?» Et je lui dis... Tu... Ah c'est pour les droits de l'homme, <laughs> c'est pour que tu puisses bien vivre <laughs> dans ce pays, d'accord <laughs> donc, donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te raconte C'est comme ça, c'est la vie, encore une fois. Le GG, le GG sur le chat Ouais, on les ouais. voit. DDL, Guy of 5, abonnement, c'est mon frérot, c'est Adil, mon frère, j'espère que tu vas bien, euh, c'est un, un ami à moi, euh, un ami euh, un ami proche. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on faisait nos meilleurs carocs et on est parti au Japon ensemble. Merci, euh, merci euh, Dila, euh, c'est un vrai frère. Euh qui a offert 5 abonnements. Et il régale et il m'avait dit, euh, tu sais, c'est un adil, c'est un, un frère, et euh, bah, c'est un robot. Et il me disait, euh, waouh, j'espère qu'un jour, euh, j'aurai les couilles de faire euh, comme toi. Euh, mais toi-même tu sais, on attendra d'être au Japon parce que le Daron sera pas trop d'accord. <laughs> Et j'étais en... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, on est d'accord, <laughs> on est là. Euh, merci frérot, je t'embrasse. <laughs> il a régalé le tiad bien sûr. Il est fou, il est fou. Quoi. Donc ouais, maintenant, euh, maintenant, j'espère que j'ai mon, euh, j'ai ma carte, d'accord. J'espère euh, que maintenant j'ai ma carte, euh, mon, mon passeport pour aller, euh, bah, pour plus trop me, me faire euh, insulter euh, sur, sur les réseaux, les réseaux S, comme on dit euh, dans le milieu, euh, tout simplement. Voilà, bah, écoutez, globalement, je vois que vous avez bien cette couleur, on l'a fait, les, euh, les, les Donation Gold qui continuent euh, d'avancer, on rappelle que le 7 novembre, j'ai énormément de questions euh, voilà, à propos, euh, beaucoup de gens qui m'envoient, euh, quand est-ce que, euh, Jiraya, quand est-ce que tu euh, vas couper les cheveux, etc. C'est le 7 novembre, euh, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, je vais l'épingler, je vais faire un truc le 7 novembre on fait le marathon 12 h qui était dans la donation goal et on va faire énormément de donation goal pendant euh, ce marathon là dont euh, le fameux rasage boula Z on se terminera avec ça euh, voilà tout simplement euh, mesdames et messieurs donc euh... oh non il y a quelqu'un qui a dit FDP rase-toi les vaches oh, mais c'est pas